Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul action. Alors c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. J'ai mon ticket là à côté. Donc on va commencer par la bouffe. Tiens, j'ai acheté ceci, donc ce sont des petits, des cappuccinos instantanés, voilà, sous forme de petits sachets que vous mettez, vous rajoutez de l'eau, et donc ça vous fait un cappuccino. Donc celui-ci c'est goût tiramisu, et j'en ai acheté un deuxième, donc ça c'est un latte, et c'est au caramel, et au niveau du prix c'était 99 centimes la boîte. J'ai repris des chips comme ça au poulet de la marque Lay's. C'est un petit paquet de 145 grammes. Voilà, je les prends souvent, souvent chez Action, les chips. Donc elles sont bonnes. Et c'est 99 centimes le paquet également. Ensuite, j'ai repris ces petits gâteaux. Là, c'est marqué Lunetta Spritz. C'est un peu comme le gâteau Spritz qu'on trouve dans le commerce. Je les ai déjà goûtés, ils sont très très bons. Donc du coup j'en ai racheté un paquet, ça fait 175 grammes. Il y a 15 gâteaux à l'intérieur. Au niveau du prix, je prends mon ticket. C'est 89 centimes le paquet. J'ai repris également ces petits biscuits-là, voilà, les dupes de Nutella, qui sont super bons. Il me semble que c'est 1,29€ le paquet. Je vais regarder ça. C'est 1,35€ le paquet. Donc pareil, super bon, on les a déjà goûtés plusieurs fois. Et voilà, c'est très 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 bon. La base, j'ai repris des nouilles chinoises, donc celles-ci sont au poulet et celles-ci aux légumes. Je crois que celles aux légumes, je ne les ai jamais goûtées, celles-ci oui. Donc voilà, donc j'ai pris deux paquets, c'était 29 centimes le paquet de nouilles chinoises. Ensuite, vous me connaissez, je vais toujours à Action chercher des Twix, des Mars, des Snickers. Donc là, cette fois-ci, c'était des Twix, donc toujours par 10. Au niveau du prix, je les ai payés 2,75€. Mon fils a pris pour son petit chat des petites gourmandises de la marque, des petites friandises Whiskas, comme ça. On lui a pas encore donné, donc je peux pas vous dire si ça lui plaît ou pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, c'est un complément alimentaire pour chat. Voilà, donc à tester, voir si, si elle aime ça ou pas. Au niveau du prix, combien est-ce que j'ai payé ça? J'ai payé ça 99 centimes. Alors ensuite, j'ai repris de l'adoucissant de la marque Silane. Donc c'est la irrésistible. Je sais pas si je l'ai déjà, j'allais dire goûté, non, si je l'ai déjà utilisé celle-ci. Apparemment c'est aux huiles essentielles d'orange et de jasmin. Voilà, donc je l'ai senti vite fait avec le masque. Ouais, ça sent très très bon. Moi je les aime bien, les adoucissants Silane. C'est une bouteille qui fait 900 ml. Et je vais vous donner le prix tout de suite. 1,99€. J'ai pris du Tahiti Douche. Donc celui-ci, c'est fraîcheur tonifiante, parfum citron vert et lotus. Voilà, donc pareil, j'ai senti. Ça sent bon. Je l'ai pris pour mon homme pour aller au foot. Parce que du coup, voilà, il aime bien ce genre de d'ouverture. Quand il va au foot, ça ne s'ouvre pas dans le sac. Voilà, donc il avait fini le sien et je lui en ai repris un. C'était 1,99€. J'ai pris également de la crème comme ça, Dove.
Donc c'est de la crème pour le corps. Ils nous disent rien de particulière. Voilà. Pour peau normale. J'ai pas senti parce que je crois qu'elle est operculée. Oui, c'est ça, elle est operculée. On sent rien à travers. Ça nous dit pour une hydratation 24 heures. Voilà, donc celle-là, c'est la marque Dove. Je la connais pas, je l'ai jamais testée. De toute façon, c'est pas moi qui m'en sers, c'est pour mon homme. Mais voilà, j'essaierai de vous faire un retour, voir s'il a aimé ou pas. Au niveau du prix, c'était 2,79 €. En gel douche, toujours, j'en ai repris un comme ça. J'en avais pris un rose déjà, mais du coup, voilà, mon homme me l'a piqué pour aller au foot en attendant que je lui en rachète un. Et je me suis dit que j'allais en reprendre un comme ça. C'est de la marque Fa, c'est le Sportizen. Voilà, donc c'est rafraîchissant. C'est pareil, ça sent bon. Ça fait 200 ml. Voilà, donc c'est pareil, ce sera pour moi pour aller à la salle. Pour l'instant, j'ai pas encore repris, mais ça ne serait tardé. Et le gel douche, il est à 1,11 €. La base chez Action, j'ai repris des bougies Airwick. Donc celle-ci, je crois que je la connaissais pas. C'est cocktail de fruits. Donc du coup, dessus, il y a de l'abricot et de la banane de dessiner. Voilà. J'ai senti, ça sent super bon. Et celle-ci, je crois que je la connaissais, mais je la prends pas souvent. C'est senteur de bois. Voilà, donc c'est pareil. Ça sent bon. Et moi, l'hiver, j'aime bien faire brûler des bougies. Donc du coup, voilà, j'ai refait un petit peu le stock. J'en ai pris deux. Elles sont au prix de 1,54 €. Alors ensuite, j'ai repris pour mon loulou les lingettes. Comme d'habitude, je prends toujours celle-ci. Voilà, il s'en sert pour s'essuyer les mains et la bouche une fois qu'il a fini de manger, une fois qu'il a fini de faire 4 heures. Et donc voilà, donc il y en a 90 à l'intérieur. C'est les sensitives. Au niveau du prix, je crois qu'elles ont augmenté parce que quand j'ai commencé à les prendre, il me semble que je les payais 99 centimes le paquet. Et là maintenant, elles sont à 1,19 €. Donc le prix a quand même bien augmenté. Après, elles restent quand même très très bien. Même mon fils qui a la peau sensible, il n'a pas de problème d'allergie. Donc du coup, ben, je continue à lui prendre celle-ci. Pour les garçons, j'ai repris du Axe comme ça. Donc j'ai pris le tac tac tac, le Black et le Africa. Voilà, donc c'est des déodorants classiques, voilà, qui nous disent 48 heures. Donc voilà, donc j'en ai pris deux. Ils étaient au prix de 1,69 € l'unité. Ensuite, pour mon petit loup, je lui ai pris comme ça une petite combi sur pyjama. Voilà, donc Spider-Man, c'est lui qui a choisi. Il y avait Spider-Man et il n'y avait pas de patrouille. Il a voulu celle-ci, donc du coup, je lui ai pris celle-là. Elle était à 7,98 €. On va l'ouvrir pour voir. Au niveau de la taille, normalement, ça devrait aller. Parce qu'il en a encore de la taille d'en dessous qui lui vont. Donc du coup, oui, ça va même être un peu grand, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il n'y a pas de pied. Vous avez le motif toile d'araignée sur le bleu, la petite fermeture là en rouge. Au niveau du torse, la petite araignée de Spider-Man et la capuche. Elle est comme ceci. Voilà, je trouve ça très bien. Mon fils adore mettre ce genre de choses. Moi, je m'en suis servi également. Donc quand il était en première année de maternelle, comme déguisement de carnaval. Parce que du coup, il avait une combi comme ça de tigre avec la capuche. Et voilà, et je m'en suis servi de costume de carnaval. Parce que moi, je trouve que pour le carnaval, très souvent, il fait froid. Et donc, les costumes qu'on peut acheter en tant vraiment que costume, c'est tout fin, c'est... Enfin voilà. Moi, mon grand, il a toujours chopé la crève quand il y avait le carnaval.
que là au moins avec ça, ils n'ont pas froid et du coup ça peut resservir parce que c'est une combi de surpyjama. Voilà. Donc c'était 7,98 €. Ensuite, pour moi, je me suis pris un gros lot de chaussettes. Voilà. Comme ça. Je crois que c'est pas la première fois que j'en prends. Elles sont pas trop mal. Là, j'ai plus de chaussettes. Je sais plus ce que j'en ai fait. Soit elles sont trouées, soit elles sont toutes seules. Donc voilà, j'en ai profité. Là, j'ai 7 paires. Du coup, c'est plutôt pas mal. Au niveau du prix, c'était 2,99 € pour 7 paires. Alors, je me suis pris également une sorte de legging comme ça, mais en jean. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à supporter les jeans qui me serrent au niveau de la taille et tout ça. Et voilà. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester ce legging-là, qui fait quand même voilà, finition un peu de jean. Au niveau du prix, c'était 5,95 €. Je l'ai pris en taille M. Il faut que je l'essaye parce que je ne l'ai pas encore essayé. Il faut que je l'essaye et voir si ça va ou pas. Alors pour terminer, je commence petit à petit voilà, mes cadeaux de Noël. Enfin, voilà, avoir des petits cadeaux d'avance. Donc j'ai pris ceci, un petit livre comme ça en carton parce on a eu une naissance il n'y a pas très longtemps dans la famille. Donc voilà, pour Noël, moi je suis plus du genre à offrir voilà, des livres, des jouets en bois, plutôt que des jouets électroniques. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Hop, donc c'est Misty le chat. Donc il y a toute une collection avec tous les animaux. Donc après, à voir si j'en reprends, si j'en reprendrai d'autres ou pas. Mais en tout cas, j'ai pris celui-ci. Il est à 69 centimes. Et j'ai pris également. Alors ça, c'est une nouveauté. Je l'avais encore jamais vue. Alors je ne sais pas si vous verrez. Voilà. C'est un livre comme ça. Hop. Donc c'est Alban l'ours blanc. Voilà, donc il y avait l'ours blanc et l'ours brun, je crois. Bon, du coup, il y a une petite histoire. Et toutes les deux pages, voilà, on a l'ours blanc qui ouvre sa gueule. Voilà, donc voilà, moi, c'est le genre de choses que j'aime bien. Donc celui-là était un petit peu plus cher. Il était à 1,99 €. Mais bon, ça reste quand même voilà, très correct. Pour un livre comme ceci. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc du coup, c'est Fashion Designer. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Donc vous avez comme ceci un bloc de feuilles avec des dessins. Voilà, donc différents dessins en fait. Hop. Et vous avez ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le sortir. Non, tout est collé. Donc vous avez ici des plumes, des tissus, du tulle, des autocollants. Et je vais vous montrer. Donc c'est très très bien fait parce que ça se ferme avec un petit élastique. Et en fait, je vous montre derrière. Voilà, c'est pour customiser vos dessins en fait avec. Les plumes, les tissus, voilà, vous pouvez. Pour une petite fille qui aime dessiner, qui aime voilà, un petit peu tout ce qui est loisirs créatifs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous avez tout qui est fourni à l'intérieur. Et après, voilà, si jamais maman est un petit peu bricoleuse et qu'elle a d'autres choses, voilà, la petite peut intégrer plusieurs. Plusieurs autres matériaux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très très bien. Ils disent à partir de 6 ans. Au niveau du prix, j'ai payé ça. C'était 2,99 €. Et ensuite, pour 3,79 €, j'ai pris, donc pareil, dans tout ce qui est un peu loisirs créatifs,
de quoi faire un kit pour faire des bracelets. Donc vous avez pareil tout qui est vous avez à l'intérieur tout ce qui est prévu pour faire les bracelets. Donc je ne sais pas si vous verrez, là c'est une sorte de fil comme le fil à Scooby-Doo. Et là vous avez des lettres. Et après, ce que je vais pouvoir vous montrer. Et là il y a des petits voilà, des petites perles à intégrer dans les bracelets là et là. Donc voilà, ça me fait des petits cadeaux d'avance pour pouvoir offrir comme ça pour Noël. Chez Action, ils mettent toujours tout ce qui est cadeau de Noël, déco de Noël, très en avance. Donc dès que je trouve des petites choses, je prends et je stocke. Et je fais pareil à Noz, parce qu'à Noz aussi, souvent, ils ont des choses pas mal. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas été faire un tour à Noz. Il va falloir que j'y aille voir si je trouve des petites pépites. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !